Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de South Park, l'anal du destin. Et nous en sommes à l'épisode 17 me semble-t-il, et mine de rien, on avance pas mal. J'ai quelque chose à faire par ici. Ah, il me manque encore un ami qui pourrait gérer les fils électriques. Et je ne l'ai toujours pas trouvé, c'est une catastrophe, ça fait que... je pense que ça sera le dernier cette fois-ci, je l'avais déjà dit pour boîte à outils. Petit super-héros, je sais que tu cherches à sauver les minous. Si tu tombes sur un de mes minous avec leur petite écharpe rose, tu veux bien me le ramener? Je ne les trouve plus. Ces méchants sixièmes veulent attraper mes minous. Si tu vois un de mes bébés à fourrure, tu veux bien venir me voir? D'accord. Super gay! Ok, va falloir trouver ces minous évidemment. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des chats qui couraient peut-être un petit peu partout. Alors, on va faire une petite quête secondaire avant d'aller voir Cartman. Parce qu'elle m'avait l'air intéressante. Je pense que ça va entraîner un très long combat. Et d'ailleurs, c'est avec... comment elle s'appelle déjà? Miss Electronique. Et je pense que c'est d'ailleurs elle qui va gérer tous les fils électriques. Et pouvoir lancer pas mal de nouvelles possibilités. C'est le péteur. Oh, putain, on m'acclame. Merci, sucez-moi. Approche, okay. Petit. Faut faire j'ai gaffe, des œufs durs plein les poches. Il y a poches. Des SDF, ils veulent se la donner, hein, on va pas se mentir. Attends, elle est où, là? Elle est où, là? Mais elle est... Elle est là. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, choisis tes toilettes. Ah, putain, ils ont 400. Le bras. Ok. Ça réchauffe. Ok, on va essayer de faire un truc. Ah, ça réchauffe. Ok. On va aller dans les toilettes. Hé, où es-tu de nouveau? The Girls, forcément. Je suis là. Je crois que tu dois être dans les mauvaises toilettes. Ou alors c'est moi, désolé. Ok. Mauvaise toilette, bon, c'est pas grave. Viens, que je puisse peut-être te virer celle-ci. De ma ploute. Yes. Je trouve pas ça bien d'obliger les six genres à partager des toilettes. Ça doit être dur pour toi. Enfin bref, j'ai un problème. Je suis comme toi, tenue à l'écart. J'ai remarqué que les adultes de la ville étaient de plus en plus bizarres. Mais personne ne m'écoute. J'ai commencé à recouper les Instagram de tout le monde pour voir si je trouvais un lien. Et c'est là que c'est arrivé. Quelqu'un a annulé mon forfait de portable. Mon mobile est mort. Celui qui a fait ça doit payer. Je vais aller voir l'opérateur de mobile pour savoir ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas y aller seule. J'ai besoin de toi. Tu es le seul à pouvoir comprendre. Entre okay. Dans mon salon, petit. Direction aide rabatteuse. Voilà, elle s'appelle rabatteuse. Direction des mobiles. Des ou tes mobiles. Je... Oh putain, mais il y a un chat fourrure là. Attendez. Tu ne mourras pas. Vous êtes cerné. C'est un chat très vif. Malheureusement, il est parti. Ok, très bien. Bon, alors attendez. C'est où c'est par bah c'est par là, c'est toujours la même rue, il y a aucun souci. Je voulais faire quoi? Je voulais changer de costume évidemment les gars. On avait dit chaque épisode un nouveau costume. Alors qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je crois que je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait ceci parce que il me semble que j'ai eu un bug justement avec. Oh, c'est pas mal ça. Ça fait genre j'ai été torturé un petit peu en prison et tout. C'est plutôt cool, on apprécie les gars. On apprécie. Voilà, c'est pas mal. Peut-être le monocle retirer, parce que j'en ai déjà assez vu. Eh, voilà! On va se la jouer Lil Wayne. On s'est évadé de prison, les gars. Allez, on est parti. Je suis une faute de goût. Ce justicier nous a tous donné une raison de croire. Ouais, je sais. Je sais que j'ai donné... T'aurais jamais dû venir ici, super crétin. Je vais pouvoir m'en occuper de ça, c'est pas trop le problème. On le fera plus tard, on va pas pouvoir tout faire. Maintenant, j'aimerais bien faire une quête secondaire et une quête principale. Ok. D'accord, tu te sens d'attaque pour faire ça? Bien sûr. Si je ne peux pas me servir de mes mobiles, je ne peux pas sauver cette ville. Allons voir ce qui déconne. Bienvenue chez D-Mobile, que puis-je pour vous? Les jeunes crabes. On dirait des crabes, mais ils vendent des portables comme tout le monde. Oui, j'ai quelques problèmes à me connecter à Internet. Votre nom et votre numéro de mobile, s'il vous plaît. Votre nom et votre numéro D-Mobile, s'il vous plaît. Et une minute, ce n'est pas vous qui étiez ici la semaine dernière? C'est vrai, nous sommes des hommes. Nous sommes des gens heureux de travailler dans un si bel endroit. Puis-je vous proposer un nouveau forfait incluant jusqu'à 5 gigaoctets de données par mois? Non, je veux juste que mon téléphone marche. Humain insolent! Comment oses-tu refuser notre forfait data? Je le savais, les hommes crabes ont mis la main sur la compagnie de téléphone. Elle nous a démasqués! Rabatteuse! Sauve-nous! Allez, le nouveau, on va les mettre en miettes.
Allez, on est parti. C'est du 2v3. Ne nous obligez pas à appeler le responsable. Content de travailler avec toi. Ok, qu'est-ce que je fais en arrière? Pourquoi je suis en arrière? What the... What? What? Pourquoi je peux bouger partout comme ça? Quel est ce sortilège? Bah ok. Ok, j'ai pas trop compris pour l'instant. Ils savent à qui ils ont affaire maintenant. Peut-être que c'était pour le placement de départ. C'est très bizarre. Comme de l'eau de mer. Ok. Bon, bah écoutez, très très bien, on continue, hein, c'est pas grave, hein, personne n'a rien vu de toute façon. Soit je fais ça, ça me paraît pas mal ça. Hein. Oh, c'est pas mal. Oh non, il y avait un troisième coup, bien joué. Ok, première fois que je le faisais ce coup-là. Il m'a craché à la gueule. La mobilité est un de mes super pouvoirs. Ok, et cette fois-ci je peux bouger, d'accord. Ah, effectivement, il y avait un léger souci. Il y avait un léger souci, très bien. Alors, soit je mets 77 aux deux, je pense que attaquer les deux en même temps. Dommage que j'ai pas l'exprimé ça. Ça me paraît. Attends, préciser qu'il n'y a pas de frais d'activation. Combattre comme des crabes. Waouh, ok. On annule le tour. De toute façon, c'est pas. Je sais pas ce que t'as fait. Ils sont pas tout seuls, les gars. Ils sont merci. Pas que deux. J'en suis quasi sûr. Ok, qu'est-ce qu'on peut Repars faire d'intéressant ma connexion. Est-ce que si je fais ça. Ah, je m'érache comme ça, ça. On va utiliser ça. On va essayer de faire le troisième coup. Bouge pas. Hop, c'est entièrement gratuit le troisième coup, les gars. Il était déjà à terre. Ah bah, bravo, voilà notre responsable qui se pointe. C'était sûr. Le roi crabe. Non, et numéro d'immobilier, l'employé de moi. Waouh. Ok. Bah, le roi crabe. Objectif spécial. C'est pour moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est terrible. Les gars, c'est n'importe quoi. Non, mais quand je prends du recul sur ce let's play, je me dis qu'un jour on affronte des SDF. Un autre jour on affronte des demoiselles qui travaillent au raisin. Et un autre jour des hommes crabes. Est-ce qu'on est bien tous sur la même longueur d'onde pour se dire que c'est quand même assez incroyable? Il faut éliminer ce responsable avant d'être submergé. Je peux pas le faire. Ok. Autre crabe commerciaux au tapis. Ok, donc faut vraiment que je vise le roi crabe. Waouh, wow. C'est chiant. S'il fait ça à chaque fois, c'est très très chiant. Ok. Ah oui. Il va te falloir soumettre une bonne dizaine de tickets d'aide après ça. Ok, on va utiliser ça. Ça baisse sa défense. Première fois que j'utilise aussi. La vérité a éclaté. Ok, sans défense, c'est pas mal. Ne bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Un petit molard, ça fait pas de mal. Oh. Le saignement qui l'a pas tué. Botte de la liberté ou Kun et sa bande, pour moi t'es cool. Ok, on va faire ça, ça me paraît pas mal, ça me paraît assez cool. Et en plus un fait saignement et sans défense. Il est déjà mis d'HP. Ah mais c'est Tyler. Waouh. Comment je vais faire? C'est Tyler, ben oui. Attaque boostée en plus. Aïe aïe aïe. Soin plus attaque boostée. La critique Yelp que je vais rédiger mettra fin à vos carrières. Comment on peut faire? Je peux faire ça encore hein. À poil sur le net. Allez, on est reparti. Ça risque d'être un combat assez long. Hein. Désolé pour à chaque fois. Il faudrait que j'arrête le temps, je puisse arrêter bien le humain, temps. Accepte les termes du contrat. Et refaire un tour, mais ça, ça sera dans un seul tour. Occupe-toi du crabe en chef, le nouveau. Ok, et si on le met en feu en plus. Ça me paraît pas mal. Icône du monde réel. Donc normalement, il a feu plus saignement. Ce double combo. Trop grand forfait mobile, compatible. C'est bon, il me repousse en plus. Ça peut le mettre KO dans un instant. On va voir. Feu, c'est fait. Y'a pas eu le saignement, c'est foutu de ma gueule un peu là, non? Suffit de tweeter okay. Pour avoir un flash mob. Ça me paraît pas mal, on va faire ça. Allez, j'utilise l'ulti. J'ai vendu tous tes mots de passe aux enchères et les Russes ont envahi ton réseau. Désolé. Il faut que j'avertisse Monsieur Connor Gadichat qu'on a échoué. Faut pas te faire chier, rabatteuse. Et voilà, tu as gagné. Encore une victoire de canard. Et ça, c'est incroyable. Avec 1,62$ à la clé et un niveau supérieur, bien évidemment, de rajouter un nouvel artefact. Et ça, c'est plutôt cool. Ça va encore augmenter la puissance. Merci, rabatteuse. Je ne sais pas ce qu'ils étaient, mais ils sentaient le crabe et embrassaient comme des gens. Comment te remercier? Fais en sorte que mon téléphone remarche, ça ira. Oui, oui, bien sûr, rabatteuse. Merci d'avoir sauvé la boutique de portable, une fois de plus. Merci, la nouvelle. Mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Si tu sens une odeur de crabe, appelle-moi.
Ok, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va voir les hommes crabes un petit peu partout maintenant qu'on a fait cette quête. Donc, oh, par contre, il y a plein de trucs un peu partout. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, ils ont repris leur place. Si les clients. Ah, il me semble que j'avais pas fait de selfie. Yuppie. Allez, nouveau follower Eddy, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de selfie, les gars. Magnifique. Ça faisait bien longtemps. Si on testait la vitesse de téléchargement de D-Mobile avec un selfie. Ouais. Yuppie. C'est pas ouf, hein. Jeff qui nous rejoint aussi. Je vais avoir tous les employés de D-Mobile. Je vais pas me gêner. Oh, j'adorerais faire ça, mais après que t'aies pris un nouveau forfait téléphonique. Oh, t'es sérieux, mec? J'ai sauvé ta boutique. Ah putain, c'est pas gentil ça, hein. C'est pas gentil. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va se TP chez Cartman. On va continuer notre incroyable aventure. Mais avant cela, j'ai une place pour un artefact. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est un emplacement mineur qui va nous permettre d'augmenter de 60. On est à 420 de puissance, les gars. C'est juste dingue. C'est juste dingue. On a une légère avance alors qu'on a quasi pas fait de quête secondaire. Donc, elle nouveau, je t'emmène nous. Ça va, aucune difficulté pour le moment. Allez, direction donc chez Cartman pour continuer notre histoire principale. Et puis normalement, avec tant de puissance, honnêtement, on devrait avoir zéro souci, les gars. Ça devrait très très bien se passer. Chez Cartman, c'est là. Merde, c'était quoi le mot de passe? Je ne me souviens plus du mot de passe, c'est terrible. Je ne me souviens plus du nouveau mot de passe, c'est terrible. Attendez. Fille. D'accord. Non. Autorisé. Ok, c'est bon. C'était écrit juste en dessous. Ok, ok, problème. Voilà Pétoman. Viens avec nous. Les amis, les temps sont sombres. Le fait est que Sacripant, le chat disparu, fait partie d'une plus grande conspiration. On sait aussi que les potes de la liberté en savent plus sur la conspiration que nous. Putain. Les gars, peut-être qu'on devrait simplement accepter le fait que la franchise des potes de la liberté est meilleure que la d'autres. Ne dis pas ça, le moustique! La seule raison pour laquelle les potes de la liberté sont en avance sur nous, c'est que ce sont des putains d'enculés de tricheurs qui ont vendu leur cul! Ouais, mais les potes de la liberté ont le professeur Timothy qui peut lire les pensées et altérer la réalité! Ça, c'est lui qui le dit! Quand on a inventé nos super-pouvoirs, il était genre « Oui, moi, j'ai le pouvoir de tout faire !» Vous trouvez que c'est juste, putain? À notre tour de faire des combats, comme eux, on doit découvrir ce que savent les potes de la liberté! Et comment obtenir l'aide des potes de la liberté, hein? On envoie un espion. Quelqu'un de notre groupe prétendant vouloir changer de camp et rejoindre les potes de la liberté. Quelqu'un qu'ils connaissent mal. Le nouveau rejoint les potes de la liberté, puis demande leur aide pour enquêter au centre communal. J'espère que le nouveau s'est bluffé. Vous ne pourrez jamais franchir leur matrice de sécurité, ils la sentent tous les deux. Je peux réussir à infiltrer le nouveau. Vous oubliez mes compétences en piratage. Je suis un as du gadget doté d'un sixième sens du bidouillage. Pas question, K.O. Tu dis seulement ça pour sortir de ta cellule. Autant le relâcher, le nouveau va avoir besoin de lui. Oh, très bien. Infiltre le nouveau dans la base des potes de la liberté. Ok. Et s'il t'en croit que ce soit de farfelu, tue-le. Ok, on va avoir un nouveau compagnon qui va nous rejoindre. On trouve le professeur K.O. chez Butters. Donc, Butters, normalement, n'est pas très très loin. C'est parti, c'est peut-être lui d'ailleurs qui va finalement nous faire tout ce qui est... électronique, je pense même que c'est lui. Bien, tu es prêt à aller duper les potes de la liberté avec moi? Dac, allons d'abord chercher mes minions. C'est très bizarre. Tu es sur le point d'entrer dans la chambre de K.O., le nouveau. Ton regard se pose sur les horreurs. Ok, est-ce qu'on va réellement d'après vous? C'est un peu le bordel, alors fais attention où tu mets les pieds. Je suis déjà rentré par... Ah non, je suis jamais rentré par ici. Non, non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Non, non. Oh, je l'ai. Non d'un petit bonhomme. Hé, hey, l'ami, t'es prêt à hacker des panneaux de contrôle? Bien, allez, on va à la base des potes de la liberté et... Butters! Ah, où étais-tu passé, mon petit bonhomme? Ah, salut, pas... C'est juste que j'étais dehors avec mon nouvel ami et... Tu n'es pas rentré hier soir, Butters. Ta maman et moi étions morts d'inquiétude. On pouvait à peine profiter du film à la télé. Je suis désolé, pas... C'est juste mon nouveau copain et je voulais vraiment pas... Ne compte pas te défiler comme ça, mon petit bonhomme. Et toi, comment tu t'appelles? Mais dis quelque chose. Tu comprends ce que je dis ou pas? Je t'ai posé une question. Qui es-tu? S'il te plaît, ne fais pas ça. Ras-le-bol, Butters. Tu es puni. Et ton copain avec, monsieur je sais tout. Et ainsi okay. Vécu le professeur K.O., enfermé à jamais dans une prison de sécurité maximale. Je peux te laisser utiliser mes affaires maintenant qu'on est coéquipier. On dirait que je suis puni. Une nouvelle fois puni. Je vais me ratatiner et mourir ici. Il est lourd. Okay. Tout comme mon nouvel ami. Oh, je suis puni. Attendez.
Il va être lourd, il va être lourd à chaque fois que je vais parler. Cape de mignon, ça c'est fait. Très bien. Obtiens la cape de la figurine de super-héros. Récupère le papier de la fusée. Le papier de la fusée, où est-il? Il est là, tout simplement. Voilà. Ensuite, comment je peux le récupérer? Désolé que tu sois prêt. C'est sympa d'essayer de me remonter le moral, le nouveau. Mais ça va pas fort. D'accord, attendez, attendez, attendez. Je vais monter sur le lit. Pas d'inquiétude. Pas de panique, on est là. Voilà. Non, j'ai de monter sur le lit pour un bout d'aluminium, c'est assez terrible. Et obtient le hamster. Alors pour le hamster, c'est un peu plus compliqué, je pense. Attendez. Non! Le hamster! T'es mort. Ah! Ça, c'est du troll! Bien joué! D'accord, 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 d'accord. Oui, forcément, j'ai pas le hamster, les gars. Ne pas sauter, il faut pas, c'est pas bien, ça fait mal. Ok, c'est parti. Ah, je peux laisser utiliser mes affaires maintenant qu'on est coéquipier. C'est fait! Eh ben, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, non? On a tout ce qu'il faut. On a juste tout ce qu'il faut, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. On est bon, là? Donc, normalement. Ça sert à rien, le nouveau. Quand je suis puni, il y a aucune issue. Ouais. Et ensuite? Ensuite, 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 ensuite. Peut-être me le crafter, non? Peut-être me le crafter, création. Ne bougez pas, condensateur à pouvoir, non. Objet de mission, et oui. Il fallait juste le crafter, aucun souci. 120 rang créateur, 12. Ça, c'est plutôt cool. Ok, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Créer le mignon volant. Enfuis-toi de la maison avec Butters. Comment je peux faire? C'est une nouvelle serrure électrique que mon père a installée parce qu'une fois quand j'étais puni, j'ai essayé de sortir pour aller aux toilettes. Ah, ok, ok, comment on peut faire? Comment on peut faire? Et simple curiosité, est-ce que ça, ça fonctionnerait pas? Est-ce que ça, ça fonctionnerait pas? Pas du tout. Ah, j'ai essayé, les gars, on peut pas vraiment m'en vouloir. Bah là, je peux passer par la fenêtre, en fait, non, finalement? Quand on y pense. Ou alors lui reparler, tout simplement, voilà. Hé, hey, tu vas faire quoi avec ça, le nouveau? D'accord, aucun souci. Mais qu'est-ce voilà, qu'il faut faire, c'est donc à bien ton lui avis qui va réussir à gérer pour moi. Oh non, ami non valide, non, t'abuses. Voilà, c'est tu vas finir par trouver une solution, le nouveau. Mais oui, t'inquiète pas, allez, déstresse. C'est bon. Tu lui fais quoi, le nouveau? T'as besoin d'aller à la salle de bain? Oh, oh, zut, le nouveau, je sais pas. Bon, d'accord, mais fais attention à lui. Oh, c'est dégueulasse. Ok. On charge. Et on envoie. Mais ça l'électrocute. Mais c'est sadique. Youpi. Mais c'est drôle. La vache, le nouveau. Ton cul sait faire des trucs vraiment incroyables. C'est vrai. On me le dit très souvent. On me le dit très souvent que mon cul fait des choses incroyables. Et ça, c'est cool. Ok, on peut se casser maintenant. On peut se casser. On se barre. Retrouve le professeur. Mais c'est impossible. Je t'ai puni. Comment tu peux être ici? C'était pas moi, papa, c'était le nouveau! Tu as un genre de pouvoir qui te permet de dépunir les enfants? Tous ceux que tu touches sont dépunis, c'est ça? Ta magie maléfique n'est pas la bienvenue ici, apprenti sorcier! Ah! Wow! Butter's dad! Ok, on va affronter son père, donc. Oh! J'ai mes amis qui rejoignent le combat, ça c'est plutôt cool. Tu es puni! What? Les alliés ne peuvent pas rejoindre le combat tant que tu ne lèves pas la punition. Le pouvoir dépunition a remplacé ton pouvoir ultime dans ce combat. Ok, d'accord. Donc lui, on va le dépunir. Ah, ouf! Hé, hey, seuls les adultes ont l'autorité de dépunir quelqu'un. Hey, mais c'est quand mal, même. Papa, c'est pas ma faute, c'est celle du professeur Chaos. J'y pense, mais c'est quand même super bien cherché. Hein. Y a beaucoup de. Comment on peut dire ça? Bref, il y a beaucoup de possibilités. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais ils ont créé pas mal de choses très sympas. Il y a beaucoup de mécaniques, voilà. Il y a beaucoup de mécaniques de gameplay différentes. Hop, tiens, on va revenir en arrière. Ni vu ni connu, ça, c'est fait. C'est quoi ce bordel? On est passé à autre chose. Grignolet, le nouveau. Ok. Attends, frérot, je vais vous dépunir, y a pas de soucis. On va le dépunir calmement. Par contre, le père, voilà les dégâts qu'il inflige. Il y a beaucoup de mécaniques de gameplay qui viennent se rajouter et greffer à chaque fois. Et ça, c'est plutôt cool. Oh, je suis en l'air. D'accord. Ok. Bougez pas. Hop. On met un bouclier pour le frérot. Il pourra prendre un coup. Merci. Ça sera pas un problème. Mauvaise nouvelle, Villa. Okay, je suis un gentil maintenant.
Bah on peut faire ça encore une fois. Oh, il a 2000 PV. Damn. Tu te trouves malin peut-être? Non monsieur, mais je suis un professeur. C'est bon. Voilà, ça c'est j'avais mon bouclier, aucun problème. Quoi? Qui vais-je punir ensuite? Peut-être vous tous. Oh non. Oh bon sang. Oh non. À toi, cul d'enfer. Non, abuse pas mec. Je vois pas quoi faire. Je vais dépunir le frérot. Au moins c'est fait. Mais il va pas tous nous repunir, c'est pas possible. C'est trop bien les gars. Bien sûr que je suis plus puni. Hey, seuls les adultes ont l'autorité de dépunir quelqu'un. Ok. Butter, si tu ne te bouges pas rapidement, tu seras doublement puni. Ça va être très compliqué ce combat. Ça va piquer un peu. On va essayer de... Oh là 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 là. Dites-moi que je l'ai bougé. Yes, je l'ai bougé. Je l'ai mis à ma place. Yes. C'est pas mal. Bon. Là, ça va être compliqué, chiant. Mais par contre, je peux lui infliger quelques dégâts quand même. 156, je prends donc 204 avec le petit. Ultime prêt. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être ça, non? Ah, j'ai bien envie d'essayer pour la toute première fois son ulti à lui, non? Mais on fait ça, ça me paraît pas mal. Allez, on le fait. On le fait, c'est parti. Ah, c'est pas mal du tout son ulti, j'aime bien. J'aime bien. Le nouveau okay, ne peut pas être puni, c'est un miracle les gars. Bordel de Dieu. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Quoi? Voilà qui devrait inculquer les bonnes manières. Il y en non, a un stop. Qui a dit des gros mots, ah non, c'est bon. Ça vaut une punition. J'ai eu peur. Non monsieur, nous n'avons rien fait de tout ça. Il dit monsieur à son père quand même. Il dit monsieur à son père. Éclate l'être au duc. Ok, c'est parti. Je te dépunis, comme ça tu me mets un bouclier. Ou alors peut-être soigner les deux, je sais pas, génial, on va voir. Hey, seuls les adultes ont l'autorité de dépunir quelqu'un. T'inquiète pas, on s'occupe de toi, poteau. Gaffe au puissant Dieu. Soin, on a peut-être un bouclier. Un bouclier, je pense, sera beaucoup voilà, plus mec. Opportun. C'est parti, j'ai foiré. 156 de protection, ça reste pas mal. Je le sens bien. Qu'est-ce qu'on ce peut coup faire là, pour mecs. Lui? Non, ça va le déplacer. Ah, c'est compliqué. Ça va le déplacer je ne sais où. Bah il va prendre ma place certainement. Je peux rien faire. On va essayer de passer son préparez-vous tour. Préparez-vous à souffrir. On va essayer de passer son tour. On va l'attaquer calmement. Pour le ça c'est pas mal, ça inflige pas mal de dégâts. Comme il faut, ça me plaît bien. Vivre chez mamie. Reste immobile, bordel. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est bon. Voilà, c'est aucun problème, je récupère ma vie. La punition arrive. Oh bon sang. Aucun souci, on est toujours très c'est très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, ça me paraît cool. Et ça met saignement, donc il a saignement. Il n'est pas encore en feu. Qu'est-ce que je peux faire? Si je fais ça, ça inflige combien? 182, c'est pas assez. C'est pas assez, on va plus faire ça. Le laser il inflige pas mal, 204, ouais, ça inflige limite plus que l'ulti. 136, c'est pas assez non plus. On va ne pas l'utiliser. Lui, bon j'ai déjà fait, c'est pas ouf. Les dégâts qu'il met. Ok, aucun souci. Je peux déjà remonter le temps une fois. Arrête d'essayer d'échapper à ta punition. On est pile poil dans les bonnes cases les gars, c'est assez terrible. Hop, tiens, on va remonter le temps. Au moins c'est fait. C'est quoi ce bordel? Je saigne. Vous êtes des délinquants maintenant. Ok ok. Bon. C'est terminé pour toi. Ah bah oui mais j'ai plus d'ulti forcément. Et oui. Et oui c'est clair. C'est pas grave. On va le mettre en feu les gars. Aucun souci. Ça fait saignement. Météo prévoit des bourrasques et de forts risques de colère de cerf-volant. Allez. Attention, on va utiliser l'ulti de l'homme cerf-volant. Voilà ce qui arrive quand les enfants ne sont pas disciplinés. Waouh, il y a encore du monde en vie en bas. Fermez les yeux les enfants, le clown va aborder une situation pour adulte. Ok, maintenant par contre on peut se mettre ici, prendre sa place et c'est terminé pour lui. C'est fini. Eh les gars, c'était super génial. On a tué, non on n'a pas tué mais on a assommé. Bordel Butters, tu es puni à vie. Le père de Butters. Moi, mais j'ai pas l'impression d'être puni. Eh les gars, je suis pas puni, je suis impunissable. Non. Ça c'est fait. Oui parce que Butters il a un père un peu tyran bien évidemment vous l'aurez compris. Je dois filer d'ici avant que mon papa ne reprenne connaissance.
s'il l'enferme chez lui pour éviter qu'il aille... Oh, trop bien. Attends. C'est cadeau, hein. C'est moi qui régale, un petit pet dans les yeux. Y'a rien de mieux. Ouais, c'est normal. On doit aller infiltrer la base des potes de la liberté. Retrouve-moi devant l'école des potes de la liberté pour jeunes surdoués. Allez, ami débloqué. Grâce à lui, on va pouvoir ouvrir énormément de choses. Donc, on va vraiment pouvoir se balader partout. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose à ouvrir ici. Et pas du tout. Par contre, il y a pas mal de trucs cool. Donc ça, clairement, je prends un bandeau. Hop. Et une boîte. Oh là là, mais tout ce qu'il y a, mais c'est énorme. C'est énorme. Et je crois que c'est un yaoi, non? C'est un yaoi. Oh là 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 là, ça va vite, hein. Ça va vite. Étreinte fugace. Ça, c'est cool. Ok. Il faut aller où, par contre? Il faut aller où? Il faut aller à droite. On est loin. On est loin, mais ça va. C'est faisable, c'est faisable. On va essayer. Il y avait un garage où on pouvait... C'était pas là? C'était pas là, non, 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 non. Il y avait un... On va essayer de le trouver. On le trouvera d'ailleurs, ce garage. C'est pas celui-ci non plus. C'est boîte à outils. Peut-être celui-ci, je sais pas. On va voir. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger, comme on dit. Ok, c'est pas celui-ci. Donc on continue à droite, les gars. On se casse. On se casse. C'est pas haut. Ok, c'est encore à droite. L'école de jeunes surdoués, les gars. Ah, on peut peut-être ouvrir ici. Je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais oublier que je l'ai ouvert. Et je passerai plus jamais par là, donc ça sera chiant. Ah! Par contre, attendez, faut trouver le bon chemin maintenant. Peut-être en passant par ici, pas du tout. Et là, verrouillé. Ok, j'essaye de voir s'il n'y a pas des petits trucs. C'est par ici. Mais oui, forcément. Ah non, il y aura peut-être encore... Ah! Yes, il y aura encore un... J'aurai encore besoin d'un nouvel ami, je suppose, non? Ah, peut-être... Non, j'ai dit n'importe quoi. Peut-être ça, ça peut marcher sur un malentendu. Mais bien sûr que ça peut marcher. Ça a marché. Pour récupérer la caisse, c'est pas mal. Allez, balaf, c'est cool. Balaf, c'est une cicatrice, vous l'aurez compris. J'ai vite passé, vous avez pas eu le temps de voir. Hop, ça, on s'en fout. C'est par ici encore. C'est... Attendez, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Mais non, mais pas du tout. Faut que j'aille à la maison de... Ah oui, c'est la maison d'avant. Mais c'est terrible. C'est terrible, je me suis trompé de chemin. Le détour valait le coup finalement, parce qu'on a une balafre, mais quand même. C'est par ici, c'est pas loin les gars, vous inquiétez pas. C'est juste ici, mais alors qu'est-ce que j'ai fait? Non mais attendez, je suis Miro ou quoi? Ah mais c'est là, d'accord, c'est juste en hauteur en fait. Ah mais les mecs, c'est compliqué. Tu cherches des réponses? Monsieur Connor t'adresse ses salutations. Il aurait aimé venir en personne, mais c'est un homme très occupé. Il a parlé d'une horrible tragédie qui serait arrivée à ta mère. C'est dingue comme notre vie peut basculer en un instant. D'ailleurs, tu seras bientôt éliminé par des assassins appelés City Ninja Service. Vous savez quoi faire de lui quand ce sera fait. Hé, hey, attendez, vous oubliez de me payer! Quand ce sera fait. Non, non, non! City Ninja Service se paie d'avance! Ça, c'est écrit sur site web! Vous n'avez pas l'accent japonais, vous êtes sûr que vous êtes bien des ninjas? Ouais, ouais, je suis ninja! Regarde mes yeux! Allez, donne-moi ce foutu chèque à l'ordre de City Ninja Service! Faites votre boulot. Ok, bonjour, on est du City Ninja. Je crains qu'on ait été payé pour t'assassiner aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on va faire. À moins que tu nous paies pour fermer les yeux. 5 000 $. Mais j'ai pas. Et si je fais payer pour rigoler? Vas-y. Oh, bien essayé, espèce d'escroc. Mais toi, pas assez d'argent. Alors nous, devoir tuer toi. Désolé. Ah, ça n'a pas marché, c'est terrible. Allez, on est parti, les gars. L'argent de KO est réservé au généreux régime d'assurance santé de ces mignons. Ok, toi, regardez, ninja. Ça, c'est pour sacripant, enfoiré. Ok, bah je ne peux rien faire pour le moment. On va se mettre ici. Ninja instincts are wicked. Ok, ça parle toutes les langues, les gars, c'est assez terrible. Si je fais ça... Ça passe. Oui. Oh, ça passe à travers le décor et ça, c'est cool. Courant ascendant, on rechargeait mes yeux laser. L'homme okay. Cerf-volant est prêt. On va attendre que eux viennent, ok? On va... Je suis là. Se mettre des protections, oubliez pas qu'il est support.
Je pense que le combat ne devrait pas être très très long. Chacun va s'aligner. Hop, c'est bon. Fin de tour. Ninja, toi, regardez. Technique très rare ici. Allez. Aucun problème. Oh mon dieu, trop dur, faut la mise perdre en France. Putain, il était temps. Ok, bon. Ça, c'est pas mal. Sans touche 2, et je prends la place en plus. Toi, chanceux. Très difficile. Comme ça, je reste derrière. On fait diversion, c'est plutôt cool. Aïe. J'ai pas prévu ça. Ça picote et ça met saignement. Mais j'ai des techniques ninja aussi, je ne suis pas jaloux. Oh la vache, comment il s'est retourné. Ok. Parle coréen. Putain, mais qu'est-ce qu'il dit en coréen? Fouleur sur la gueule. Bah écoutez, pas de soucis. Vous voulez savoir ce que ça fait, les gars? Saignement, ça fait ça. Moi aussi, j'ai des techniques ninja, les mecs. Et oui. Piqué. Gérard, piqué. Allez, on est parti. On est bien placé. Ok, le saignement, il chicote un peu, mais ça va. C'est préparez-vous, un max de chaos. C'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, un truc mystère. Qu'est-ce que ça peut être? On va essayer. Il y a un point d'interrogation, je sais pas du tout. Oui, tu te bats comme un Il va attaquer ses collègues. Ça, c'est bon, ça. Ok, ce ninja est merdique. Oh, regardez, nouveau City Ninja. Toi, pas fainéant, j'espère. Ok. Le cône va laisser sa marque. Ok. Vu qu'il est mort, je peux faire ça. C'est pas mal. T'auras qu'à raconter que tu t'es coupé en t'épilant. Oh là là, on est deux à avoir saignement, c'est assez terrible. Je prends ce que j'ai pour l'instant, les gars. Ninja est... Ils attaquent déjà. Quoi? Enjoy Ninja Ska. Ok. Voir pas ce coup là, enflure. Bah écoutez, je vois que ça pour l'instant. Est-ce que par hasard, où sont ces enfoirés de City Ninja censés me défendre? Ça ferait pas plaisir. Oh, merde. Toi mourir si bien, client très aimable. Mon marteau infligera le chaos okay. À tous ceux qui me défieront. Ok, ok. Écoutez, je vais mettre lui en embrouille. C'est pas grave, en plus c'est un petit choc. Oh oui, va te faire foutre, abruti de gosse. Ce combat prendra trop de temps, heureusement moi. Ah, étoile ninja, objet traditionnel japonais. Un autre ennemi succombe à la puissance okay. Du trône et sa bande. Bon, attention quand même. C'est un petit peu compliqué la situation actuelle. Oh la vache. C'est pas grave, on va utiliser ça comme on peut. Ok, ça c'est fait. Bon, un mort encore. Ça va être compliqué là. Je vais essayer. Oh putain, il y a encore un. Il y a un mec sur le côté là-haut là. Ah non, c'est un mec. Oh la vache. Cogne quelqu'un pour le coon, Duc du trou. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. On va faire ça. On va voir si après eux il y a quelqu'un. Dans ces cas-là, je resterai. Sinon, pas nécessaire. Ok. Oh putain. Attendez. On revient en arrière. On va faire quelque chose de très simple. On va résoudre. On n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix. Donc c'est parti. Heureusement, j'avais créé de nouvelles potions. Je me posais juste les yeux. Ok. Normalement, ça carte même d'attaquer. Ok, c'était cool les mecs, mais vaudrait mieux bâcher ça vite fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Un petit Moïse. Ah mais Moïse, ça va paraître, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'a pas trop le choix, les gars. Juste pour soigner une personne. Ah, j'ai peut-être fait une grave erreur. Les dettes seront effacées, les esclaves libérés. Moi. Il n'y avait qu'un blessé finalement. J'ai peut-être fait une très grave erreur, les gars, mais c'est pas grave. Je vais prendre ce que je mérite, hein, c'est évident. Qu'est-ce qu'il fait? What? Oh là là. C'est compliqué. C'est très compliqué ce combat. Waouh! Faut y aller, trop duc. Aïe aïe aïe. Là c'est de la résistance hein. C'est uniquement de la résistance. Oh, je vois pas, ils font tellement de dégâts.
C'est assez terrible. J'espère qu'on va réussir à bâcher ça. C'est assez terrible. C'est un par combat en plus. Prends ça. Ça, c'est un montant. Ok. Situation délicate, les amis. Oh non, mais mec, j'ai envie de me soigner. Voilà, saignement, ça dégage. Ça va être un sacré chantier. Ouais, tu m'étonnes. C'est compliqué la situation, j'aurais peut-être pas dû me soigner, peut-être perdu beaucoup trop de temps. C'est une grave erreur. La malfaisance ne battra jamais le coup de sa bande. Ok. On va faire ça. Faut s'en débarrasser de toute façon parce qu'il attaquera. Le braquemar de la justice. Compliqué, le braquemar de la justice. Compliqué, compliqué les gars. Je pense que je suis mort. Je pense que c'est terminé. J'arrive à survivre, mais tellement juste. Aïe. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Je peux faire ça. Ça le met presque KO, c'est parti. Ça le met presque KO. Eux, ils invoquent à l'infini, donc ça risque d'être assez terrible. Faut tuer les masques blancs. Ninja Speed fails me. Ressens la colère de l'homme cerf-volant. Oh, je peux faire ça, ouais, ça soigne un petit peu. C'est mieux que rien, les gars. Guéri. On prend le boulot. C'est mieux que rien, je vais mourir. Voilà. C'est évident. Oh, noble death. Je suis plus qu'après. Bon, les gars. On va faire ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je sais pas comment ça va se passer. C'est mon moment préféré. Ok, ça se passe exactement comme je l'avais prévu. C'est vraiment eux qu'il faut tuer. Le reste, on verra plus tard. Oh, I bring that. J'arrive à récupérer ma vie. J'arrive à survivre, hein, les gars. Demonstrate ninja technique. Oh là là, putain, c'est terrible. C'est terrible. Ok, regardez ce qu'il faut faire. Clairement, va falloir soigner notre ami. Dernière potion, je m'en refais, c'est pas grave. On va soigner notre ami, et là, il va pouvoir nous soigner encore. Et on va survivre comme ça à chaque fois, hein, c'est pas grave. Hein. C'est là que j'aurais dû utiliser Moïse. Ouf, le saignement. Il faut qu'on termine ça. Le saignement qui chicote. Ça va permettre de survivre un tour. Détends-toi, je vais te remettre sur pied. Oh bah, il... À chaque fois que je le reste, il fait que de tomber, le con. Il va mourir du saignement, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est fait. Ah ouais, prends ça, enflure. Bon, plus d'invocation. Qui est compliqué. Prêt à faire amputer? Si je fais ça, ça fait quoi? Ah, ça fait que ça. Aïe. Situation délicate, n'est-ce pas? On revient en arrière. C'est pas grave. Vous vous êtes fait enculer. Lui, il peut pas attaquer normalement. Bon. Messieurs. Là, une situation bien délicate. On va faire ça. Je peux pas vous dire l'issue de ce combat. Je peux juste vous dire que c'est terrible. Ok. KO va s'occuper de vous. On va faire ça. Allez, un en moins. Bon, là, c'est du 3v3. C'est difficile, hein. C'est difficile, les amis. C'est bon, le Kun, j'ai pouvoir faire l'ulti. Ça sera reculez, cool. Ami du Kun. Le chef est là. 1 en moins, 3v2. Allez, on va le faire, on va y arriver, les amis. Pas évident, pas évident. Pfiou, je le sortirai demain. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, ça met des saignements partout. On va se mettre ici calmement. On va faire cette petite attaque. Pas de soucis. Plus qu'un, les gars. Et c'est la fin de ce combat qui était honnêtement peut-être l'un des plus compliqués. Sûrement même l'un des plus compliqués. Alors que pourtant j'ai un niveau d'artefact assez bon. C'est bon, c'est terminé pour lui. Allez, je suis content, on s'est débarrassé de ça. Et c'est la fin d'ailleurs de cette vidéo. On va clôturer dessus, les gars, sur cette cinématique. On n'aurait jamais réussi. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures, bien évidemment.
À très vite tout le monde. Difficile de trouver des ninjas fiables de nos jours.